Salut, salut! Lance dans une minute. Juste ma petite lumière pour que je vous parle de. Alors, un, Japan Expo. On va faire juste un petit topo hein, rapide. Et puis, l'objet du jour. C'est plutôt l'accessoire du jour. Voilà. Allez, hop, dans une minute. Tout de suite. Allez, c'est parti. On va parler de la. On va commencer déjà par la Japan Expo. Pour faire ça, déjà, je vais partager mon écran. Ça va être mieux. Pas si. Peut-être sorti de Japan Expo. Cool aussi d'avoir votre avis sur le sujet. Cool. Ça peut être cool. Boom. Ouais, je suis juste en train de mettre mon truc bien comme il faut. Allez, let's go. C'est parti. C'est parti. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Que vous avez peut-être passé la journée à cette première journée Japan Expo. En tout cas, j'espère que si vous y étiez, que ça vous a plu. Parce que c'est vrai que c'était quand même une belle. Et ben, franchement, c'est une belle convention, hein, je dirais. Cette année, attendez, j'ai vu juste mon truc. J'aime bien toujours m'entendre. Salut Kaylana, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. T'as passé une bonne journée. Si t'étais Japan Expo ou pas Japan Expo. On rend compte que ma lumière, parce que j'ai pas fermé, donc j'ai une lumière, je suis un petit peu blanc bec. Mais alors, j'ai pas tellement bronzé, j'avoue. Japan Expo, on peut pas bronzer. Alors, deux choses. Normalement, le jeudi, je présente mon écran. Le jeudi, je fais une présentation d'un objet. Donc là, je vais présenter un objet particulier. Qui est plutôt un accessoire qu'il faut avoir pour tous ceux qui commencent. Je vais me mettre en plein écran après, ça va être plus simple. Un accessoire, ou plutôt, on va dire un kit d'accessoires. T'étais à la Japan? Oh, alors, c'était bien. Je vais parler de ça, donc je vais parler de l'accessoire et je vais parler de la Japan en premier. Et ça t'a plu? T'as senti comment? Parce que je vais te dire, ou je te donne mon ressenti, puis au fil de l'eau, tu m'as dit ce qu'on a pensé. C'est vrai que je suis un peu blanc bec. Hein. En fait, c'est. Ah oui, ma lumière, j'ai un peu la light. Voilà, on va se remettre un peu sur des couleurs chaudes. J'étais un peu dans les couleurs froides. Alors, déjà que je suis pas forcément très, très bronzé déjà de base. D'ailleurs, j'ai appris. Le mec, il parle d'un truc, il parle sur autre chose. Que j'avais une arrière-grand-mère qui était brésilienne. J'ai beaucoup d'hispanique en moi, mais voilà. Ok, il faut que je prenne du sommeil. Ouais, donc Japan Expo, ben cool si t'as passé une bonne journée. Toi, tu vas y aller 3 jours ou t'y passes juste. C'était une journée. Parce que moi, c'était juste une journée. Et juste une journée. Et ben, comme moi, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que t'as fait? Regarde, c'est pour ça que je voulais montrer ça. Regardez-moi cette tête de vainqueur.
C'était beau quand même. Enfin, lui, toi, le monsieur qui est là, qui a un beau t-shirt. Mais le monsieur qui est là, eh ben, je vais falloir que je te supprime, hein. Que je t'efface. Ouais, mais quand même, le 4-5, je sais pas si t'es passé là, mais. Je ne pouvais pas ne pas aller dans le café 4 size. Avec des 4 size grandeur nature. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que moi j'ai grandi quand même un peu. 4 size, hein. Mais, et ben, justement, donc justement, je parle de ça, de 4 size et tout. En bref, bon, je vais pas mettre les pubs. Parce que déjà, en plus, Twitch, je vais pas être content. Ouais, en une journée, c'est court. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, je poste ça, mais en fait, j'ai fait des photos, je vais en parler aussi après par rapport à cette Japan Expo. Moi, je trouve que c'était vraiment une bonne session. Alors, moi, la Japan Expo, d'ailleurs, je vais mettre genre une photo. Bah, je vais rester sur ma photo. Non, je vais mettre sur celle, ma photo. Je pense que j'ai une autre photo prise par ma fille. Devant, évidemment, la mini qui va bien. Je trouve que la Japan, dernièrement, en fait, personnellement, alors personnellement, bon, moi, je suis génération, effectivement, je suis sûrement dans les plus vieux qui vont à la Japan. Mais ce que je veux dire, c'est que dernièrement, je trouve que ça tournait un peu en rond, beaucoup avec beaucoup de boutiques, de merchandise, quoi, de figurines, bon, tout ce qu'on peut avoir. Il y avait toute cette partie fan art, un peu artisanat. Et puis bon, voilà, c'est un peu pas foufou, des stands de jeux, mais je sais pas, hein, c'est un peu toujours un peu la même chose. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ou c'est peut-être mon point de vue, hein, qui change. Mais je trouve que ça a été cette année vraiment, c'est vraiment une bonne Japan Expo. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de stands pour tous ceux qui vont y aller. De stands évidemment, de figurines, donc t-shirts. Mais j'ai l'impression que c'était vachement plus varié que d'habitude. Il y a toujours les stands de sabres. Bon, justement, je vais en parler après. J'ai mon téléphone, sinon c'est le téléphone qui va voler. De sabre façon ici Tanjiro. Bref, il y a toujours des boîtes comme ça, mais je trouve que c'est vachement sympa. En tout cas, on peut faire sans. En l'occurrence, moi personnellement, j'ai pas trop fait le tour de évidemment toutes ces points de vente, ces boutiques. Et c'est mon chien qui est en train d'aboyer, je sais pas ce qu'il a vu. Mais moi, j'ai trouvé vachement bien, notamment bah, tout le truc qui a été fait sur justement 4 size, toute l'œuvre en fait de celui qui a fait 4 size. 4 size, City Hunter, etc. Moi j'ai vachement aimé l'entrée quartier manga qui était très 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 sympa. Bon, je suis désolé, c'est un peu la boucle là. Le stand Webtoon qui est. Il faut voir. Alors, bon, il y a un truc où vous pouvez avoir des posters en journée. Je pense peut-être que j'en mettrai un, tiens, derrière. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des stands à expérience. Je sais pas si toi, Kélana, t'as ressenti ça, mais ce côté expérience du truc. Où on fait pas des masses de queue, ça c'est bien parce que aussi les stands c'est galère moi les conventions où il y a masse de queue, il y a des gens hein, qui attendaient notamment je crois c'est pour un stand c'était comment ça s'appelle déjà? L'apothicaire, comment il s'appelle le manga l'apothicaire? L'apothicaire, l'extraordinaire apothicaire. Ah oui c'est ça. Très sympa, mais je trouve que des stands comme ça, il faut galérer, bon, faut faire la queue et tout, c'est un peu relou. Mais il y a une vraie expérience derrière. Et c'est vrai que, ben, en tout cas, si vous y allez, profitez-en vraiment pour aller sur les stands, notamment toute l'édition. Bah, j'avais fait un petit tweet là-dessus, là, sur Glénat, le stand de Glénat. Alors, je fais pas de promo, hein, je ne suis pas personne, hein, mais je trouve que c'est déjà. Franchement, des super beaux stands pour déjà découvrir plein de titres qu'on connaît pas forcément. Deux, c'est des beaux stands dans le sens où, alors j'ai pas pris, enfin je l'ai pris en photo, mais il faut que je vide ma carte mémoire. J'ai fait plein plein de photos pour mon autre compte photo que je posterai. Et en fait, à côté de Ogeisan, je fais un peu de photos qui s'appelle HLK, mais ça j'en parlerai. Et je mettrai des petits, je commence à le remplir parce que mon Insta avec mes petites photos qui est ici. HLK, autopromo, c'est moi toujours ici. Je vais le remplir progressivement là. Et donc notamment mettre des photos de la Japan. Mais ça, je ferai un tweet là-dessus.
Et tout ça pour dire qu'il y avait vraiment des stands. Le stand de Glénat, ouais, il était beau. Bref, le Lézard Noir, toutes les maisons d'édition de manga, je trouve qu'ils étaient vachement plus présentes que d'habitude. Et franchement, si vous allez à la Japan, je vais pas dire ne perdez pas trop votre temps dans tout, je sais pas quelle est ce que t'en penses, mais dans toute la partie merchandising, là, les t-shirts, c'est vrai que vous retrouvez un peu toujours la même chose. Vous passez dedans, vous promenez, vous kiffez, mais vous pouvez aller viser comme ça les grands pavillons et là où il y a les scènes, toute la partie food, la partie wabi-sabi. Je vais pas en parler, j'avais fait la petite vidéo live tout à l'heure, artisanat qui est vachement sympa. Je vais pas mettre, j'ai pas mis de photos, publié de photos tout à l'heure. C'est pas grave. Bah, c'est vrai que sur Twitter avec mon téléphone, là, j'ai pas, je vais faire une vidéo TikTok justement là-dessus. Mais je trouve que c'est sympa. Et puis bon, voilà, tout cet espace-là, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, je trouve que ce qu'ils ont fait par rapport à l'œuvre de City Hunter, Cat Size, bah, c'est super sympa, qu'on connaisse ou pas, franchement. C'était, je trouve, hein, pour la Japan Expo, c'est ce genre de truc qu'on voit souvent pour les petits, plus petits, les conventions type Paris Fan Fest, des choses un peu comme ça. Et Ben Japan, je trouve qu'ils ont vachement osé, donc très bien. Et puis, bah, c'est vrai que ça se fait aussi beaucoup avec les annonceurs. Hein, c'est vrai, quand je parle de Glénat et autres, bah forcément, c'est aussi grâce à eux que une convention comme ça peut bien marcher. Je vous les ai mis là. J'ai passé pas mal du temps côté artisanat création. Et t'as trouvé ça comment, le côté artisanat création? Cat Size en taille quasi taille humaine, plus grand qu'elle. Comment t'as trouvé le truc création? Parce que moi, donc, j'ai fait la petite vidéo. J'ai trouvé que c'était bien. Que c'était même très bien par rapport aux années passées. Côté artisanat création, parce qu'il y a plein de petits stands, même de gens qui sont pas japonais, qui font de l'artisanat fan art, tout ça, trop bien. Alors là, pour le coup, vous pouvez déambuler tout ce que vous voulez. Ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai bien aimé aussi les stands. J'étais hyper étonné des stands, mais j'ai pris avec mon hybride le stand de Shiatsu. Le Shiatsu, c'est le massage japonais, je sais pas si vous connaissez. Bon, je pense que Keilana, tu as dû passer dedans. Il y avait un max de monde qui attendait pour se faire pour recevoir un massage japonais. Il y avait une grande école qui était présente, qui s'appelle l'école Yokai. Il y a plusieurs écoles dans le Shiatsu qui étaient là. Bref, je trouvais ça hallucinant parce que souvent c'est un peu des stands de temps en temps. Il y a les stands d'arts martiaux et tout. Mais le stand de massage, si vous voulez vous faire masser, découvrir ça, go! Même les stands de Budo d'arts martiaux. Ouais, oui, bah, t'as vu le monde au Shiatsu? Quoi, les gens qui attendaient, bon, je sais pas, normalement un Shiatsu, si vous connaissez, c'est déjà en one to one, vous allez voir un Shiatsu, ce qu'on appelle un Shiatsuki, quelqu'un qui va vous faire un massage, qui applique la médecine chinoise, qui va vous écouter. Évidemment, là, c'est une présentation, mais vous êtes tout seul, là, habituellement, vous êtes tout seul avec lui ou elle, dans son cabinet, des choses trans. Là, se faire masser un des méridiens, beaucoup travailler ce qu'on appelle la vessie, puis des colonnes vertébrales pour un peu détendre, etc. Donc ok, mais avec max de monde autour qui regarde, je sais pas si on arrive vraiment à être détendu, mais trop bien. Bon, c'est super, hein, parce que finalement, c'est que les gens sont vachement ouverts. Et puis j'ai vu qu'il y avait tous les âges, hein, des plus jeunes, des plus vieux, tout le monde allait dans ce truc, dans ce coin Shiatsu. C'était top. Et puis évidemment, après, pour tout ce qui est art et artisanat, le petit live que j'avais fait tout à l'heure, si je peux, non, je vais pas le mettre en boucle là, ça va faire la boucle Twitch dans la boucle Twitch, mais je trouve que c'était vraiment top. Pour résumer, pour moi, clairement, je trouve bravo Japan Expo d'avoir mis en avant les artisans japonais qui sont venus exprès présenter leurs objets, et puis évidemment tous les autres artisans qui, comme je dis dans les vidéos, il y avait beaucoup, à mon sens, beaucoup d'artisanat plutôt, c'est pas des objets d'art à proprement parler, il y avait des petites sculptures, des petites poupées, beaucoup de bijoux type boucles d'oreilles en verre ou des choses comme ça, ou des petites créations en tissu. En fait, tout ça, c'est vrai que c'est de l'artisanat, on parlait hier dans ma petite vidéo là sur Ningai Kogai, mais oui, j'ai vu la calligraphe japonaise là. Ouais, j'ai vu. Mais j'aurais aimé en voir un petit peu plus comme ça. Bon, après, je pense qu'il
ont essayé de faire un panel, mais pareil, il n'y avait pas de bambou. Moi, j'ai été vachement étonné, c'est ce que j'ai mis dans la vidéo à un moment. Pardon. L'artisan qui. Ça va faire bizarre si je lance la vidéo Twitch, hein, dans Twitch. L'artisan qui travaille des plaques, j'ai jamais vu ça, des plaques de cuivre là, comment ça, comment on appelle ça, en relief, je vais retrouver le nom. Ça, je trouve que c'était vachement sympa et original. Après, il y avait un gros stand, si vous y allez, c'est le gros stand sur, j'ai pas son nom, je l'avais mis dans la vidéo. On va faire un truc, le Twitch dans le Twitch. Enfin, je vais juste m'arrêter sur la vidéo. Je vais couper le son. Qui était, tac tac tac. C'était où, c'était où, c'était. Voilà, c'était là, je crois. On fait un truc bizarre, c'est le Twitch dans le Twitch. Mais en vrai, pourquoi pas, hein? Pourquoi on pourrait pas faire le Twitch dans le Twitch? Tac, j'ai coupé le son. Ouais, attends, juste 30 secondes. Parler, c'est pas facile. Ouais, donc, pardon, pardon. Sur cette partie-là, ce stand-là, Tokyo, comment ça s'appelle? Ce gros stand, si vous y allez, c'est le gros stand. Tokyo Techikoto, là, ce stand-là, où je sais pas si toi tu l'as vu, Keilana. En tout cas, tu et vous, vous allez voir, si vous êtes allé, vous allez sûrement apprécier la présentation des objets pour 100% artisanat japonais qui était présenté. Le seul truc, je trouve, c'était malheureusement trop japonais, dans le sens où ils ont mis des personnes qui étaient là présentes, mais qui parlait pas bien anglais, qui parlait la japonaise, hein, comme vous. Exactement comme vous allez au Japon, il y a beaucoup de boîtes, hein, d'immeubles, de boîtes qui présentent justement d'artisans. Vous aviez très, très peu de personnes qui parlaient vraiment, genre, je sais pas, souvent d'autres bilingues, mais parlaient anglais, c'est con parce qu'ils avaient du texte en français et tout. Pour l'échange, et en fait, ils avaient beaucoup de cartels, je sais pas, les petits cartels, là, les petites de présentation, à un moment j'en parle dans la vidéo. Vous voyez, tous ces trucs-là, c'était bien en français, j'ai pas de problème avec ça, c'était très clair. Mais si vous vouliez en parler avec quelqu'un, c'est un peu compliqué. Et puis, dans ce qui était présenté, c'est cool, hein, de présenter des objets utilisables, donc justement entre le Mingay, le Kogay, donc ce que je disais hier, des objets que vous pouvez acheter, mais vous avez des objets, les petits verres, je crois, hein, les petits verres en cristal là, que je présentais à la fin. Je sais pas si on voit, je les ai pris en photo d'ailleurs. Non, je les ai pas là. C'était 470 euros le petit verre en. Alors, c'est bien de présenter. Après, je pense qu'ils étaient vachement flippés. Ah, la japonaise. Vachement flippés de présenter des verres comme ça sculptés, ce que je peux comprendre. Hein, 460 euros le petit. Ce qui est le prix, hein, c'est attention, c'est le prix de l'objet. Moi, ça m'a pas étonné de voir ce genre de prix pour ce genre d'objet. Ce qui m'étonnait, c'est de voir ce type d'objet à la Japan Expo. Voilà, n'importe qui pouvait venir les présenter, les toucher, les prendre. Je pense que le personnel qui est là, ça devait être c'était la première fois qu'il le faisait. Ils n'étaient pas forcément habitués à avoir autant de monde et de gens qui connaissent pas et de gens qui viennent regarder. Donc c'est cool en termes, voilà, c'est des petits verres comme ça en cristal. Donc ils étaient plus, je pense, un peu flippés de voir le truc. Donc allez-y, ça c'est dans toute la partie Wabi Sabi. Et sur la carte, c'est la zone violette. Allez-y, parce que si vous voulez un peu d'artisanat, et je trouve que ça fait beaucoup de bien, en plus de tout ce qu'on peut voir habituellement dans le Japan Expo, je trouve que c'était vachement intéressant. Et il y avait effectivement, comme tu dis, Keilana, la calligraphe japonaise, qui était aussi, encore une fois, hyper. Moi, je me suis pas arrêté dessus, mais je crois qu'elle est d'ailleurs par ici. Non, c'était pas elle qui présentait ses différents travaux, et puis je crois qu'on pouvait faire son prénom aussi en calligraphie. Bref, donc tous ces petits stands en plus, très sympa là pour le coup. Les gens qui sont là, les artisans qui sont là. J'ai fait une photo aussi là, tiens, pour les petites poupées vintage, vachement sympa parce que ça, on en voit vraiment pas beaucoup des petites poupées à la japonaise vintage. Et tous ces gens-là, moi je me suis pas arrêté là, je me suis juste arrêté pour faire quelques photos. Ouais, un truc comme ça, c'est super sympa, je trouve. Ça, c'est vraiment des trucs que vous voyez au Japon. Et donc, ils ont fait le déplacement. Je pense pour beaucoup, c'était la première fois. Clairement, on pouvait s'arrêter et parler avec chacun. Bon, moi, c'est vrai qu'après, quand je vois des stands comme ça d'artisanat, de boucles d'oreilles,
Bon, c'est pas un truc que je vais pas acheter, ou si, je vais m'arrêter plutôt s'il y a une technique, un truc un peu particulier. Donc je sais pas si toi, Kelana, tu t'es arrêté sur ces stands, t'as peut-être acheté, est-ce que tu as acquis toi des choses, tu t'es fait plaisir sur ces stands? Ah voilà, la calligraphe, elle est là, je savais. J'ai même fait une photo à un moment. En tout cas, c'était vraiment cool. Ce pavillon, très très cool. Vous voyez, j'ai fait une vidéo 20 minutes, donc le pavillon, vous le faites le tour en 20 minutes, sans vous arrêter, vous faites le tour 20 minutes. Mais c'est cool. Ça, vraiment, si vous y allez, il y avait un plusieurs mois, c'était un calligraphe, mais les anciens caractères avant les kanji. Ah, ok. Oui, bah, je vois très bien. Très bien. Mais tu vois, c'était vraiment cool. Donc ça, vraiment d'un point de vue art, pour moi, c'est vraiment une bonne Japan Expo. Et je trouve que c'est super. J'avais déjà vu, encore une fois, juste post-Covid, hein, cette volonté d'ouvrir sur l'aspect culture, c'est top. Et puis évidemment, tous les stands d'artisanat présentés, de fan art, etc. Si vous allez à la Japan Expo, vous allez vraiment kiffer tout ce pavillon. Et je parle pas des scènes, il y a plein, plein de choses à faire. Je vais faire ma petite vidéo. J'ai pris quelques petites vidéos verticales pour en faire un TikTok que je mettrai sur Twitter. Par aussi donner envie. Et je ne suis pas reparti avec la Mini. Je ne suis pas reparti non plus. Je serais vraiment reparti avec une des trois. Je ne pouvais pas. Ma femme aurait pas forcément été contente. Mais j'aurais bien vu derrière là. Hein. Des petits cat size, ça aurait été cool. En tout cas, Tsukasa Ojo. Si vous ne connaissez pas le travail de Tsukasa Ojo, allez-y, les yeux fermés. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître évidemment dans l'univers de l'anime et du manga. Voilà, sur le topo, Japan Expo. Je vais pas plus loin. Il y aurait tellement de choses à dire. Le quartier manga, il y a tellement de choses à dire. Ce que je peux vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous prévoyez d'y aller le dimanche, privilégiez toujours le matin. Perso, moi je suis arrivé vers 11h. Très très bien. On est reparti vers 16h, 16h30, 16h30. Donc on n'a pas fait une masse de journée. Moi, ça m'a permis, j'ai rencontré tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai rencontré Adibou, j'ai vu Joko, que je voulais voir, qui bosse avec Samuel Etienne, Marie Palot. Je voulais voir Mitsu, qui est au Japon, si et puis bon, on s'est pas capté parce que lui, je crois qu'il était en signature, et puis après, bon, aussi délicat de capter comme ça les gens. J'ai vu du monde, c'était cool, c'est cool de voir des gens aussi qu'on voit aussi en live, moi-même, hein. Enfin, une fois, il y a beaucoup, beaucoup de monde que je suis, donc c'est cool d'aller à la rencontre de ces gens. Et puis voilà. Clôture, je ferme mon sujet Japan Expo. Je vais me mettre maintenant en pleine poire, attention. Je vais peut-être être un peu flou. Un peu flou. Un peu fumé. Un peu fumé. Donc en pleine poire. Pourquoi? Parce que je présentais normalement le mercredi ou jeudi, je présente un objet. Je vérifie juste que ma déco, j'avais pas laissé un truc traîner. Je présente un objet, vous savez, en détail, et Lana, si t'es là, de zoomer un accessoire type au-dessous, un objet d'art. La dernière fois, j'avais fait une. Aujourd'hui, je vais présenter un truc. Alors, j'ai pas présenté ça. J'hésite en fait à présenter une arme, une lame de sable carrément. Pense à Twitch, on ne sait jamais. C'est une arme, donc on va faire soft. On va présenter une arme factice. Si le Tanjiro, hein, le sable de Tanjiro. Mon but, c'est de vous montrer un truc. Alors, vous imaginez que c'est un vrai sable avec une vraie lame. Hein, voilà, qui s'ouvre avec la même manière. Il est assez bien fait d'ailleurs, le sable Tanjiro. D'ailleurs, les sables comme ça. Bon. En mode cosplay, alors je trouve que c'est un peu con d'ailleurs. Si vous avez Japan Expo, vous êtes en cosplay, vous ne pouvez pas ramener un sable comme ça. Faut que vous ayez la boîte, vous trimballez avec la boîte à chaque fois pour vous trimballer avec un sable, même factice. Bon, avec un sable comme celui de Tanjiro, pas faire mal à quelqu'un, encore que si vous pouvez un peu taper sur la tête de quelqu'un, ça fait mal. Mais bon, bref, vous gardez en tête que ça c'est interdit, vous n'avez pas le droit de vous trimballer si vous n'avez pas de boîte avec. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça rapidement. Là, je vous pose 20 minutes, je vous parle de l'objet, parce qu'on est quand même le 13 juillet, qui dit 13 juillet quand même, fête ce soir, donc le truc est court. Je rentrerai plus en détail sur les parties d'un sabre.
le nom des parties de sabre, comment est structuré un sabre. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Un live peut-être un peu plus long, peut-être plutôt à la rentrée, pour vous montrer les différentes typologies de sabres, les noms d'ailleurs, quand on a un sabre, comment ça partie à la poignée, la tsuba, j'en ai déjà parlé, les différentes parties, ça je vous ferai un live là-dessus. Mais je vais vous présenter un truc, c'est si vous commencez à collectionner des pièces, des sabres japonais, et que vous devez entretenir les lames de sabre, qui est valable aussi, entre parenthèses, pour les petites pièces, toutes les pièces en métal décoratif qu'on a sur les lames japonaises, et le bois, il faut absolument un kit accessoire qui est là-dedans. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans, qui est donc, un jour, encore une fois, vous avez des lames, trouvez des lames qui sont pas en bon état, mais vous les conservez, et ben une lame, ça se traite. Pourquoi? Parce qu'une lame sur métal, en acier, qui s'oxyde, je vous présente ça parce que j'en ai présenté une ce matin, avant d'aller justement à Japan Expo, donc un sabre japonais à Wakizashi. L'acier, je vais regarder, ça serait plus simple quand même la prochaine fois, il faut que je regarde quand même dans les règles de Twitch, voir si je peux présenter une lame. Je sais jamais, c'est de pas être ban. Vous voyez la lame, cette fameuse lame, la Tanjiro, admettons que c'est une lame d'acier. Cette lame-là, elle doit s'entretenir. Le sabre japonais, lui, même s'il y a des centaines d'années, des siècles, hein, je parlais ce matin, moi, d'un sabre, un wakizashi du XVIIe siècle, je rappelle qu'on est en 2023, ce sont des lames qui, et même évidemment pour les plus anciennes, passent les siècles sans bouger d'un iota, ça se dit. Elles, ne s'abîment pas, ne rouillent pas quand elles sont entretenues, quand elles sont évidemment de bonne facture, que ce sont des pièces d'origine forgées, ça ne bouge pas. Et c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que les sabres japonais, vraies lames, vous pouvez avoir des lames du 15e siècle, 16e siècle, 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, elles sont comme neuves. Le seul truc, c'est que quand elles ont été utilisées, quand elles ont potentiellement combattu avec, qu'elles ont utilisé par exemple les coupes de bambou ou autres, ce sont des lames qui peuvent être un petit peu abîmées, un petit peu cassées, mais ce sont des coups d'usage. Une lame, ça reste quand même du métal. Le métal, avec l'eau, il n'aime pas ça, généralement ça s'oxyde, ça rouille. Je ne fais pas le topo, vous voyez. Donc, il faut, et c'est ce que je vous présentais là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas, c'est un truc qu'on ne parle pas, et les, nous, entre guillemets, nouveaux collectionneurs, ou, alors je parle de lames, mais ça peut être aussi des petits couteaux, ce qu'on appelle les kokatanas, si vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez acheter des petits couteaux qui étaient usage aussi, hein, c'est une pièce d'antiquité. J'en présenterai ça, je pense que pas trop de problème pour que je puisse vous présenter ça en mode vidéo. Mais la lame, dès qu'il y a du métal, en gros, ça s'entretient, sinon, au fil du temps, si vous mettez les doigts dessus, ça rouille. Donc, il y a un kit qui s'achète, qui coûte, allez, en moyenne, c'est quoi, 50 euros. Voilà, c'est le Japon. Hein, qui est composé, donc si vous cherchez, vous pouvez dans Google un hein, kit d'entretien ou Sword Kit, il y en a sur Amazon, vous trouverez, je vais juste vous montrer ce qu'il y a dedans, vous sachiez ce qu'il faut avoir et vous faites pas avoir à avoir des kits incomplets. Il y a plusieurs choses. Première chose, là, il y a du papier qui est du washi japonais, donc du papier qui permet de nettoyer ce sabre. Là, vous voyez pas bien, j'ai pas pris spécial la caméra pour vous montrer, je pense que là vous voyez suffisamment à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un washi japonais qui est un peu doux, quoi, c'est un peu cotonneux. C'est un papier en fait qui ne raye pas la lame, parce que la lame c'est du métal, ça reste quand même du métal qui peut entre guillemets se rayer, hein, petite micro-rayure. Donc ça, il y a déjà ce papier là qui au départ va vous permettre de nettoyer la lame. Donc vous imaginez mon sabre. Je vais sortir mon sabre de Tanjiro. On va imaginer que c'est que ma lame donc est sortie. Évidemment, je mets jamais les doigts dessus. Hein. Je vais ouvrir la tsuka, je vais sortir la lame de sa poignée. Quand je la nettoie, je peux mettre les doigts dessus. Quand je veux la présenter, je mets pas les doigts dessus. Moi, quand je suis par exemple d'objet ou de lame, je mets jamais les doigts sur une lame. Pas parce que ça coupe. Évidemment, on a toujours le tranchant en haut, mais c'est parce que si vous mettez vos doigts sur le métal, admettons là c'est du métal,
bah vous avez votre trace de doigt et avec la transpiration, ça peut oxyder, ça peut abîmer la lame. Donc première chose à faire, on va nettoyer avec le fameux papier, on nettoie la lame, c'est-à-dire on enlève le résidu d'huile, parce qu'il faut mettre une huile dessus, pour que ce soit une lame propre. Deuxième objet qui est présenté dans ces kits, mais que vous pouvez acheter aussi à l'unité, c'est ça, c'est une petite bourse dans laquelle il y a une sorte de poudre, une petite poudre abrasive. Cette petite poudre abrasive, il va falloir tapoter dessus, je ne vais pas le faire parce que c'est abîmé ce sable qui n'est pas en métal. Merci Twitch. Vous tapez, vous mettez en gros, bah, vous avez une sorte de petite poudre qui va se mettre partout sur le long du sabre, qui va permettre de nettoyer, là encore, nettoyer abrasive, mais très légèrement abrasive, puisque le but c'est d'enlever l'huile que je vais vous montrer après sur le sabre. Donc là, une fois que j'ai mis la poudre, je nettoie avec toujours mon papier japonais la poudre qui est sur ma main. Je me retrouve avec une lame qui est nickel, qui n'y a rien dessus, il n'y a plus d'huile, il n'y a pas de poudre abrasive, on est en parfait état, tout propre. Et je vais utiliser en plus, donc à la fin, un petit, je vais prendre mes deux mains parce que j'ai du mal, une huile. Et c'est ça la clé du truc, c'est qu'il faut pour tous les métaux anciens japonais. Je précise que ça, je peux l'utiliser, donc c'est une huile, ça se présente en petite bouteille. Bon, très souvent, la bouteille a cette gueule-là, avec des kanji dessus. C'est une huile de ce qu'on appelle de choji, C-H-O-J-I. Et en fait, c'est une huile à base de clou de girofle. Donc vous imaginez le clou de girofle que vous mettez dans la cuisine. C'est une huile à base, alors 90% de cette huile, c'est une huile minérale. Mais vous avez 10% à peu près d'huile qui est de l'huile de clou de girofle. Donc ça sent au fond le clou de girofle. On ne peut pas faire un Twitch en odorama, mais vous imaginez le clou de girofle chez vous. Et cette huile-là, vous allez la mettre sur un petit bout de coton, qui est un petit bout de coton, c'est une sorte de coton japonais, qui est là. Celui-là, il est vraiment usé, il n'est pas jojo à voir, mais qui permet de pomper un petit peu le... parce que j'ai nettoyé déjà plusieurs lames avec celui-ci, vous mettez votre huile là-dessus, et ça permet de pomper ces deux gouttes d'huile, et ça permet ensuite de faire quoi? Ça permet d'huiler, enfin, je vais pas le faire parce que sinon, je passe tout ça sur le long de ma lame, et ça huile en fait, ça va huiler, donc c'est deux gouttes, hein, deux gouttes. Ça, moi je l'ai depuis facile, et pourtant j'en fais des lames, et la bouteille est pas à moitié vide. 10 ans que j'ai ça, hein. Ça fait 10 ans que j'ai tout ce kit, 50€ 10 ans, je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait, qui permet en fait de huiler la lame, et donc d'avoir une lame, je vais ranger ça, d'avoir une lame qui est à la fin propre. Donc c'est simple, c'est vraiment très très simple, et c'est un truc qu'il faut avoir. Donc je pense que c'est même utile pour les répliques en fer, c'est pas de l'acier, en fer, pour éviter que ça s'oxyde. Vraiment, je vous le conseille. Donc c'est vrai qu'à Japan Expo, on vend majoritairement des... En tout cas. Et les stands vendent essentiellement, c'est pour ça que je voulais en parler, des lames en bois, où vous avez dans un métal un fer qui est assez lourd. D'ailleurs, tous les accessoires cosplay sont en fer. Moi, franchement, je vous conseille d'utiliser cette tuile-là qu'on utilise. Alors, je ne vais pas préciser pourquoi c'est du clou de girofle. J'en sais rien, et on n'en sait rien. C'est juste que c'est utilisé depuis... 11e, 12e siècle, on utilise, les samouraïs, les forgerons, utilisent de l'huile de clou de girofle. Il n'y a pas eu de recherche qui a été faite là-dessus. Est-ce que le clou de girofle a des propriétés qui fait que, en gros, des propriétés anti-rouille, anti-temps, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'adore. Il y a une odeur. J'adore, ça sent le... Alors, vous sentez le Japon à plein nez avec ça. Quand je dis Japon, c'est parce que quand on va à Tokyo, à Kyoto, bon, y a un truc qui me marque et qui est dans ma mémoire, c'est l'odeur du pain, des temples en pain. Et vous avez aussi de temps en temps cette odeur un peu, le clou de girofle. Ce côté vraiment... c'est dur, hein. Franchement, expliquer une odeur dans... expliquer une odeur sur Twitch, ouais, ça sait faire. Donc cette fameuse huile transparente, vous pouvez l'acheter toute seule. Encore une fois, si vous avez évidemment des lames anciennes, go. Si vous avez des pièces d'armes, donc comme je disais, les tsuba, tout ce qui va être éléments décoratifs que vous retrouvez sur un sabre japonais, si vous tombez sur ce live,
Je suis pas Alzheimer, du moins pas encore, je suis la tête, parce que je ne veux pas, je prends pas le risque de présenter une arme sur Twitch, à défaut d'être ban, on va essayer de pas être banni, parce que je pense que ça ban si je vous montre une arme. Donc on est sur quelque chose qui est inoffensif, un chat dans la gorge. Ce qui est bien, c'est que cette huile, voilà, l'huile, vous pouvez l'acheter, vous le trouvez Amazon, hein, bon après attention à Kali, vous avez des boîtes qui font notre qui vendent par exemple des sabres d'Iaido. Si vous faites de sabre, pardon, une pratique martiale intégrant du sabre, Aikido, Iaido, Kenjutsu, pour entretenir vos sabres, si vous avez déjà un grade suffisamment avancé, huile, huile de Shoji, huile Kujirov, Shoji, C-H-O-J-I, vous trouvez ça sur internet et vous en faut. Mais pour la mettre, ne prenez pas un mouchoir, c'est pas optimal. Il vous faut la petite, le petit coton là, que je utilise, qui se vend généralement dans tout ce kit complet. Avec, je remonte le kit si vous n'étiez pas là tout à l'heure. Un kit, ça se, vous le retrouvez souvent comme ça, avec le papier, l'huile, le petit, la petite bourse avec la petite poudre abrasive. Et en bonus, dans ce kit, c'est pour ça que je vous conseille fortement d'acheter un kit complet plutôt que d'acheter les choses une après les autres. Parce que si vous faites bon, voilà, une pratique martiale, déjà vous allez l'utiliser. Si vous collectionnez des pièces, des sabres, vous en venez à collectionner. Quand on commence une collection, on ne vient pas forcément à un sabre. Sauf que je vous ai offert, on y vient petit à petit. Une lame, pour l'entretenir, il vous le faut. C'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs pour les antiquités, qui se fait une à deux fois par an, c'est tout. Encore une fois, quand vous avez un sabre, que vous avez dégainé votre sabre, vous l'avez chez vous, vous mettez jamais les doigts dessus. Encore une fois, comme je dis, un, elle n'est pas vous couper, une sabre, une lame, ça coupe. Je le dis, hein, parce qu'on tient toujours la lame vers le haut et on met jamais les doigts sur une lame. Jamais. Le principe, on ne met jamais ses doigts sur une lame. Donc si vous ne faites pas ça, la lame, du moment qu'elle est huilée avec ma fameuse huile de clou de girofle, hein, vous pouvez même mettre huile clou de girofle. A priori, ça se trouve aussi en pharmacie, mais je vous conseille pas de prendre celle en pharmacie. Prenez huile, shoji, sabre, sword, trouvez sur internet, vous pouvez acheter. Parce que c'est pas forcément la même en termes de quantité. Je pense pas que ça fasse quelque chose, mais certaines huiles peuvent peut-être être, avoir d'autres minéraux, une sorte de dent, peut-être de sérum phi. Prenez l'huile de soja japonaise. Bon, allez-y, je vais fermer. Et encore une fois, dès que vous mettez ça, ça vous tient facile 6 mois, 1 an. Je conseille une fois tous les 6 mois à vous checker. Regardez bien que votre huile est toujours présente sur votre lame. Et puis c'est parti. Et ça, vous allez avoir des lames qui durent des siècles et des siècles. Et même moi, quand je vais récupérer par exemple des lames ou des pièces d'armure, hein, des tsuba assez anciennes pour leur donner un peu de peps. Je mets pas de l'huile d'olive ou je mets pas du chiffon, du chiffon et un pchit à lunettes dessus. Je peux utiliser un petit peu d'huile de shoji. Cette huile, c'est vraiment l'huile miracle. Quand vous aimez les antiquités japonaises, faut vraiment avoir cette huile là. Aussi précise, c'est une huile que vous pouvez mettre sur les objets en lac. Donc là évidemment, bon, une armure, je vais pas pouvoir vous présenter l'armure, je vous présenterai une armure en vidéo. Je risque pas d'être ban par Twitch, a priori. Hein. Mais sérieusement, avec l'histoire des sabres, si je peux vous présenter un jour une lame, des petites lames, ce serait un grand plaisir parce que c'est parler de lames sans vraiment monter de la lame, c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que les objets, pour en parler des objets type armure, casque, les objets qui sont en lac japonaise, là aussi, la botte miracle, la bouteille miracle plutôt, l'huile de shoji qui permet de faire briller l'huile sans abîmer. Briller la laque, hein, vous en mettez pas 3 tonnes, vous en mettez 2 petites gouttes. Comme je vous ai dit, hein, cette bouteille, moi ça fait genre 10 ans que je l'ai. Hein. Ou le kit là, ça fait 10 ans que je l'ai. Facile. Puisqu'à chaque fois on en met que 2 petites gouttes et ça vous permet par exemple de huiler vos objets. Si vous avez des objets laqués japonais, des objets en bronze. Ici, un joli petit vase. Voilà, bronze japonais. Bon, là, vous voyez pire parce que la caméra, c'est top cam, et en plus, la lumière est sur le côté. Mais pour redonner du peps à vos objets en bronze, en métal, ça s'appelle du plis, les trucs là qu'on trouve dans les supermarchés.
L'huile de shoji. Puis c'est vraiment plus classe de dire j'utilise pas du please, moi, j'utilise l'huile de shoji. Là, vous pouvez, deux petites gouttes sur le métal, ça permet de faire briller le truc et de l'entretenir. Antioxydant, donc anti-rouille. Voilà, c'est le miracle. Si vous avez des questions là-dessus, hein, n'hésitez pas à me poser. Je rappelle donc le kit et les choses qu'il faut avoir que je vous conseille. Si vous avez des sabres, même des sabres récents, si vous faites de l'iaido, aikido, bref, une pratique martiale avec un sabre, pour entretenir le sabre, il vous faut ces pièces-là, que vous ayez donc sabre plutôt contemporain, quoi, moderne, ou sabre type antiquité. Vraiment, vous voulez votre sabre de Tanjiro en bois ou en fer acheté à Japan Expo, vous pouvez aussi. Je vous remonte les pièces, ce qui comprend ce kit-là. Du papier japonais, voilà, qui est assez... c'est une sorte de washi qui est un petit peu feutré. Voilà, c'est pas du papier, c'est pas la feuille A4, hein, du papier. Vous avez la petite bourse avec la petite poudre légèrement abrasive, en fait. Abrasive simplement pour enlever l'huile, pour nettoyer les impuretés que vous pouvez avoir sur une lame, et ça n'abîme pas la lame. Vous avez aussi le petit coton, bon là qui est un petit peu fatigué, il faudrait que je le change, j'avoue, pour nettoyer vos lames et nettoyer justement, pour nettoyer, pour mettre l'huile, au contraire. L'autre c'est pour nettoyer, mon chiffon pour nettoyer, là c'est pour mettre l'huile sur votre lame, et puis voilà, vous êtes bien. Là, vous avez tout pour entretenir votre lame. Un point bonus, vous avez, vous pouvez acheter aussi, très pratique, vous pouvez acheter seul, que ça se trouve au Japon. Moi, je me rends compte que la cam, elle fait pas toujours la netteté. Pour une fois, je suis net, hein, avec cette cam. Mais vous avez un petit marteau, il y a du mal, hein, c'est pas un... Il y a du mal. C'est pas grave, vous comprenez le truc. Ça s'achète à l'unité, et ça, sinon ça s'achète dans tout le kit, c'est pour ça que je vous dis. Vous voyez ces kits-là, prenez, ça coûte 50, je crois, 30 et 50 euros. Vous achetez tout ça, vous êtes tranquille. Mais vous pouvez acheter ce marteau qui a l'unité, qui en fait s'ouvre, je vais vous montrer pourquoi. Tac. Deux petites parties. Pourquoi ? C'est parce que vous avez dans les sables japonais une petite partie qui est... vous pouvez démonter ce fameux marteau. Donc ça, je vous montre le même hop, 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 hop. Avec un petit... je sais pas comment... un petit embout qui est dans le marteau, qui vous permet en fait... Alors, c'est con, encore une fois, je ne vais pas vous présenter ça, bon, c'est un peu compliqué... le sabre, hein, la lame d'un sabre japonais, c'est sur les répliques, faut voir si c'est pas. Je crois qu'il y a certaines répliques, c'est pareil. Vous avez au milieu de votre poignet souvent un petit truc en bois qui permet, ça s'appelle ekogi, qui permet de maintenir, donc, qui traverse la poignée et qui permet de maintenir le sabre dans la poignée. Je pense que vous avez déjà vu ça, un petit point en métal. Ou en bois qui est au milieu. Bah pour enlever ça, parce que vous pouvez pas mettre les doigts dedans, vous utilisez ce petit embout qui est livré avec le marteau, vous le mettez sur au bout justement de votre poignet, et puis vous tapotez un petit coup avec le fameux marteau pour faire sortir le bout de bout. Sans vous présenter le truc, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez compris le concept. Vous mettez ça au niveau du mikugi du petit trou pour faire partir le petit bout de bois, et puis ça vous permet comme ça de démonter complètement votre poignet, de démonter votre poignet, donc de sortir complètement la lame de Satsuka. Vous sortez complètement. Ça, vous le faites généralement quand on a les sables de collection, on fait tout le temps. Donc, puisqu'il y a la partie de la lame avec la signature, etc., on le fait tout le temps pour entretenir, vérifier que même cette partie-là n'est pas rouillée. Sur les sabres plutôt d'usage, encore une fois, type Iaido, Kenjutsu ou les répliques. Vous n'avez pas forcément besoin de sortir la lame de la poignée. Et là, je suis en train toujours de parler d'un sabre en bois. Voilà, tout va bien. Mais voilà, moi je dis, si vous avez quand même un sabre plutôt... Parce que c'est vrai que les sabres contemporains pour les pratiques martiales, ça a son petit prix aussi. Hein, donc c'est vrai que c'est des sabres qui doivent s'entretenir. Et ben pour ouvrir le truc, il vous faut le petit marteau. Et si vous ne l'avez pas, ben c'est un peu emmerdant. Il y a les pas au tire-bouchon, c'est la merde. Vous pouvez éventuellement y aller avec une petite baguette avec laquelle vous mangez, et vous mettez un petit coup de marteau histoire de sortir le truc. Bon, voilà, si vraiment vous en faites souvent, vous voulez démonter votre lame, je vous conseille fortement ce petit marteau qui est en laiton,
avec son petit pin hein, qui se met là. Vous pouvez tout démonter d'ailleurs, en fonction de votre usage. Hein. Comme je disais, vous pouvez même enlever la tête, dévisser la tête. C'est pratique, ça vous permet de voilà. Et tout avec ça aussi. C'est l'accessoire bonus, accessoire qui ne sert qu'exclusivement. Hein. Pas d'autre utilité à sortir, faire sortir la lame de du fourreau. Voilà, c'est tout. Vous n'en avez pas besoin si vous collectionnez, j'en sais. Des casques, des masques ou je ne sais quoi, vous n'avez pas besoin de ça. Après, je vous avoue, hein, l'outil est pratique, donc vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Hein. Pour les oreilles, ce que vous voulez. Bref, c'est pratique. Bon, après, ça coûte quand même 20 balles. Seul, ça coûte 20 euros, donc bon. C'est pour ça que dans le kit d'accessoires, il y a vraiment tout le reste. Je vais essayer de vous montrer ça, remontrer le kit un peu, faire ça comme ça. Hop. En espérant que ça se casse pas la gueule. Voilà. Le papier, l'huile, la petite bourse, le petit coton. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour entretenir vos lames et vos objets d'art japonais. Ne le mettez de page précise, l'huile, ça se met pas sur le verre. Parce que sinon, ça fera dégueulasse. Ça se met sur le métal, les lames, les objets, les antiquités, évidemment de ce qu'on appelle de, tout ce qui va être armes et armures, oui. Tout ce qui est lac, oui. Ça vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi en mettre sur le bois. Évidemment, là j'en ai pas. Du moins j'en ai plus. Mais les Shirasaya, par exemple, les fourreaux. Shirasaya, qu'est-ce que c'est? C'est le fourreau. Je reprends mon Tanjiro. Merci Tanjiro. Pour m'avoir prêté son sabre. Tac, le fourreau, qui peut être un fourreau en bois clair, le Shirasaya. Aussi, vous pouvez mettre un petit peu d'huile dessus pour lui donner du... Je vous dis, hein, l'huile de shoji, l'huile de clou de girofle. Un truc, vous faites tout avec. Ça vous permet d'entretenir, donner un petit peu de couleur à votre bois. Si l'odeur ne vous gêne pas, parce que c'est quand même particulier, le clou de girofle, c'est vraiment le clou de girofle que vous utilisez en cuisine. Hein. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Ça peut gêner certaines personnes. Mais dites-vous aussi pour les objets en bois japonais traditionnels, même les petites choses que vous achetez Japan Expo. Donc vraiment hein, sur le bloc artisanal, hein, allez pas mettre de l'huile sur les trucs que vous achetez dans les boutiques type boutique figurines et autres. Dès que c'est peint, faites gaffe parce que ça reste quand même de l'huile, donc ça peut enlever quand même. Si vous avez des petits aromas peints, faites gaffe. Tout ce qui est figurines en plastique, vinyle, tout ça. Franchement, je conseille pas, ça reste de l'huile hein, quand même, donc c'est pas top. Donc gardez juste le concept de l'huile, du nettoyage pour les lames, pour les montures de sable. Donc montures de sable, c'est ce qu'on voit, etc. Le bois, les fourreaux, voilà, toutes ces pièces-là. Donc voilà, je voulais vous parler de ce kit parce que c'est un kit, quand on connaît pas, on n'achète pas. Quand on fait une pratique martiale, kenjutsu et autres, alors souvent vous avez le maître hein, qui va vous dire tu peux entretenir ta lame comme ça, mais enfin, c'est au bout d'un certain. Même si vous faites du par exemple du Eidon Gumdo aussi, qui est le sabre coréen, on vous parle pas souvent de cette fameuse boîte qui se trouve au Japon. Moi je peux en avoir aussi. Enfin, je pense que je vais essayer peut-être d'en ramener quelques kits parce que c'est vraiment un truc à avoir clairement. Parce que j'ai trouvé alors, les antiquaires collectionneurs, on sait qu'il faut maintenir des lames. Maintenant, moi je dis toujours hein, quand on vient me voir par exemple pour une lame. Toujours pensez au kit, pensez à bien entretenir vos lames. Parce qu'on a beau se dire que ce sont des lames, des objets qui ont passé des siècles, des années. Ben voilà, on sait jamais, ça peut être picoté. La rouille, c'est jamais bon. Hein, et vous n'allez pas mettre dans l'anti-rouille sur un sabre japonais. Jamais. Donc voilà, c'est un peu particulier comme live. Mais je voulais vraiment parler de ça. Ça m'a servi. 50 balles, je vous le dis, c'est l'achat du siècle. J'espère que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, voilà. Pour trouver cette boîte, ce genre de boîte, ou encore une fois, si vous voulez juste la petite bouteille d'huile de shoji, vous avez internet, vous avez des boîtes qui font notamment spécialisées dans les sabres, ce que je dis, les sabres d'arts martiaux, en vendent très souvent. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais gaffe. Vous avez des trucs qui sont un peu, je ne sais pas trop quelle origine. Essayez de vous rapprocher au mieux. Voilà, dès que vous voyez des termes japonais, choji, entretien de sable, ou dès que c'est écrit en anglais, vous pouvez les prendre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, ce n'était pas une présentation objet, c'était une présentation accessoire. Avant, on a parlé de Japan Expo.
Je vais m'arrêter là, parce qu'on est quand même le 3 juillet. Hein. La juillet, faut aller. Mettre au feu d'artifice. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne Japan Expo si vous l'avez. Vous avez la chance d'y aller demain et après-demain. Moi, par rapport à cette Japan Expo, comme je disais au début de ce live, je vais faire. J'ai fait quelques petites vidéos pour en faire un TikTok. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, histoire de montrer rapido ce qu'il y a. Ça, c'est déjà premier truc. Deuxième info, comme je disais, j'ai un compte qui est un compte photo. Ça, c'est auto-promo. J'ai la photo. Ça, c'est un autre compte. C'est vraiment mon truc en parallèle. Je suis en train de basculer. Paf. Avec ma trombine ici, qui s'appelle HLK Photo, sur lequel je commence à mettre des photos. Donc là-dessus, je vais aller publier des photos de Japan Expo. Je mettrai sur mon Behance. Je vais voir comment je fais. Donc, que je check toutes mes photos, j'en ai fait beaucoup de cosplayer, de voilà, je vais essayer de mettre des photos et je ferai de toute façon un sujet, un post, un tweet là-dessus pour parce que voilà, c'était trop sympa, il y en a beaucoup qui ont vraiment pris plaisir de poser et je trouve ça trop cool. Il y avait vraiment des super cosplay. Moi, j'y suis allé, quand je dis, j'y vais pas demain, enfin, en tout cas, j'y vais pas dimanche, j'ai pas le temps. J'aurai pas le temps, malheureusement, mais si vous êtes cosplayer, faites-vous plaisir. Et cosplayer, merci à tous, franchement, quand vous vous demandez est-ce que je peux prendre une photo, toujours la banane avec les poses, donc c'est super cool. Attends, il va falloir que je vois mes photos, j'espère qu'elles sont pas ratées. Mais voilà, je ferai un truc là-dessus. Je les présenterai sur HLK et puis j'en ferai un petit bien. Voilà. Parce que j'aime. On va poser un peu plus de photos. Les petites photos qui sont là, si vous voyez, c'est celles que j'avais faites. J'en ai pas fait beaucoup. Du musée Guimet. Ça, c'est l'expo. J'en parle d'ailleurs assez souvent, cette expo. Médecine d'Asie. Alors, comme on parlait tout à l'heure du Shatsu à Japan Expo. Il y a donc le Shatsu, le massage japonais à max de monde. Si vous voulez, par contre, sur le Shatsu. Sur la médecine et je vois les méridiens, le château, hein, on travaille sur les méridiens. Il y avait beaucoup de monde avec Kailana, justement, on disait qu'il y avait énormément de monde sur l'espace le Shatsu, Japan Expo. Prenez rendez-vous avec un Shatsu qui à part parce que ça va ressentir, c'est pour un premier Shatsu avec un max de monde qui vous regarde, c'est pas France. Pas très très agréable, c'est bien juste en découverte, mais pas encore fait cette expo. Kailana, faut y aller, médecine d'Asie, je crois que, attention, je crois que c'est jusqu'en septembre. Magnifique. Vous voyez les trucs là que j'ai pu prendre en photo, des objets franchement, même ils avaient mis un grand Bouddha de méditation. Ça, pour le coup, il n'y a pas de méditation. En même temps, le lieu, on peut faire des méditations partout. Hein. Mais musée Guimet, il y a de la méditation. Et c'était cool. Ça, c'est la carte blanche d'artiste coréen dont j'avais parlé. Mais vraiment très très belle expo qu'il faut aller voir au musée Guimet, que vous connaissiez ou pas la médecine. Franchement, allez-y pour les objets qui sont présentés. Et puis, bah justement, si vous avez testé le Shatsu ou une autre pratique à Japan Expo, bah dans la foulée, vous pouvez aller voir cette très belle expo. Plus conseillée, parce que déjà, de la manière dont elle est faite, scénographie, tout ça, c'est hyper accessible. Que vous connaissiez l'acupuncture ou pas, le yoga, le Shatsu, c'est hyper expliqué, très bien expliqué, sans en mettre des tartines. C'est pas le but de vous, pas le but de vous vendre. Telle ou telle pratique, médicinale ou médecine chinoise, c'est vraiment, on part de ces grands postulats, l'acupuncture, le yoga, le chien, etc. Et c'est argumenté par des objets, donc notamment par exemple là, pour la méditation, est aussi perçue comme une pratique de médecine. Vous avez plein de très belles sculptures qui sont présentées, et mais c'est vrai que mon coup de cœur dans tout ça, c'est lui, j'ai des méridiens. Voilà, donc je mettrai des photos là-dessus sur HLK, mais j'en parlerai, limite j'en parlerai en live. Je vous dis bonne soirée, j'espère que ce live vous a plu, un petit live un peu particulier quoi, accessoire à Japan Expo, accessoire. Je vous dis bonne soirée à toi Kailana, bonne soirée à tout le monde, bon feu d'artifice si vous êtes feu d'artifice. Bonne soirée de chill Netflix si vous êtes plutôt Netflix le soir du 13 juillet. Moi, il fait
très beau. Un peu moche. Je pense que... Bonne soirée, Kaylana. Je pense que ça va être un peu feu d'artifice. L'occasion de faire aussi. Donc c'est vrai que j'y vais pour faire quelques photos. Bonne soirée, ciao. Très probablement demain 14. Je pense que je vais faire quand même là, le demain 14 juillet mon live design. Donc vous me suivez, je vous invite toujours à me suivre, comme ça vous êtes alerté. Je vous dis ciao, bye bye, merci de m'avoir suivi. Ciao Kaylana, de m'avoir suivi dès le début là. C'est cool. Et j'ai le téléphone qui sonne parce que je dois y aller. Allez, ciao, bonne soirée, bon feu d'artifice. Et puis à bientôt. Et bonne Japan Expo si vous y retournez demain. Ciao, bye bye.